Alors, il y a quelque chose qui est assez amusant. Il y a tout un... dans tous les catalogues, à peu près la plupart des catalogues sur Laurent Jiménez-Balaguer, on vous dit qu'il est né en 1938. Et en fait, il est né en 1928. Et alors, je ne sais pas si c'est de la coquetterie. En fait, vous savez souvent ce qui se passe dans l'histoire de l'art, c'est que les gens se copient les uns les autres. Alors un jour, il y a dû avoir une erreur dans un catalogue, et on a mis 38 à la place de 28. Et à partir de là, lui, il n'a rien fait pour modifier tout ça. Puis il était assez jeune, il était assez beau. Il est né donc dans une banlieue ouvrière de Barcelone, qui est au sud. Beaucoup d'entre vous, si vous êtes allé à l'aéroport de Barcelone, vous avez traversé l'Hospitalet, parce que c'est entre le centre-ville et l'aéroport. Et donc c'était une banlieue ouvrière. Il est né donc en 28, comme je vous l'ai dit. Et son père était médecin, et il voulait qu'il fasse des études de médecine, et ou en tout cas des études supérieures. Mais, alors je vais l'appeler Jiménez-Balaguer, parce qu'il n'aimait pas quand... Comme beaucoup d'artistes, vous voyez, on dit Picasso, on dit Miron, on peut dire Pablo Picasso, etc. Mais lui, il tenait beaucoup à Jiménez-Balaguer, bien qu'après, peut-être, avec Daniel, on pourra parler de Laurent. Et en plus, vous voyez tout de suite, il y a un petit problème aussi, hein, c'est que Laurent, c'est pas... Et en fait, il s'appelait Lorenzo, mais il a francisé son nom, son prénom. D'autre part, certains des artistes fondateurs du groupe le plus important en Catalogne de l'après-guerre, ça a été Dawalset, un groupe qui était... à l'origine influencé par Miró et le surréalisme, d'où le nom, le DO7, hein, puisque vous savez qu'il n'y a que 6 faces dans le dé, et celle-là, c'était une 7e face surréaliste. Et le plus connu, vous le connaissez tous, c'est Antonio Tàpies. Hein, Tàpies, c'est le grand peintre de Dawalset, mais il y avait aussi son cousin, Cuchart, Tarats, Joan Paul, etc. Donc alors, ce groupe aussi, il s'éloigne de la figuration onirique et néo-surréaliste pour subvertir les catégories orthodoxes de la peinture, c'est-à-dire l'espace, couleur et ligne. Et pour se livrer à des, et c'est là qu'on voit le parallélisme avec Jiménez-Balaguer, pour se livrer à des recherches sur la matière, l'espace, l'organique, le geste, en relation avec l'esprit et le psychisme humain. Donc l'œuvre de jeunesse de Jiménez-Balaguer montre l'existence de cet état d'esprit. Peintre de vocation,
et d'attitude autodidacte, malgré de brefs passages par diverses écoles de dessin, et en particulier celle des Beaux-Arts de Barcelone, où il ne s'est pas plu, où il trouvait l'enseignement beaucoup trop académique. Donc sa première référence picturale est le Greco. Alors, il a pu l'étudier longuement au Prado à Madrid, puis ensuite à Tolède, grâce à une bourse que lui concéda la municipalité de Barcelone en 53-54. Alors, ce qui attira Jiménez Balaguer dans le Greco, c'est la spiritualité. Et comme il l'a confié dans un catalogue à Michel Nuris-Dani, en parlant du maître de Tolède, et je cite maintenant Laurent, « Ces personnages qui ont l'air de flammes, je trouvais cela d'une beauté extraordinaire. Leur corps physique devenait corps spirituel. Le corps extérieur et l'intérieur du corps se confondaient. Voilà. Pour moi, Greco, c'est viscéral. Sa matière n'est pas fixe, elle n'a pas de contour, et son geste s'épanouit, s'échappe, va vers l'infini, vers le haut, en quête de Dieu. » Quand Laurent revient à Barcelone en 1954, son œuvre entre en résonance avec celle de ses camarades de la même génération. Je vous ai parlé, Guinova, Joan Pons, Joan Brotat, une figuration plutôt expressionniste. Dès ses débuts, donc, on peut dire que Jiménez Balaguer montre une décantation sévère et appliquée, une certaine austérité dans le chromatisme, couleur froide et éteinte, un trait volontaire, vecteur de charpente robuste et un sens inné de la composition. Alors, dans la chronique de l'importante revue culturelle Destino, hein, qui était la, si vous voulez, la grande revue des années 50, qui était écrite en espagnol mais qui était faite à Barcelone, donc, le prestigieux critique Sébastien Gasque consacra l'exposition. Jiménez Balaguer montre son implication avec son époque et la dérive existentielle de son art. Et il dit, je cite, bon, j'ai été traduit, je l'ai traduit en français, hein, c'est en espagnol, « Je ressens intensément l'époque où il nous a été donné de vivre, sur laquelle se concentrent toutes sortes de menaces, d'insécurité, d'inquiétude. Je veux que cette angoisse collective se voie dans mon œuvre. » N'oublions pas que nous sommes encore dans l'Espagne, dans la première époque très dure et répressive du franquisme, et même si Jiménez Balaguer est un artiste solitaire qui ne fait allégeance à aucune école, aucun groupe, en particulier celui contemporain de ses débuts, celui de Dawal Set, qui est devenu le plus connu et le plus célèbre aujourd'hui, il y a, parallèlement à certains de ses représentants, comme Tapies et Tarat, et surtout parallèlement à la plupart des artistes madrilènes du groupe del Paso, hein, c'est un groupe, le premier groupe abstrait, important abstrait espagnol, avec Millares, Feijó, Manuel Viola, etc. Et donc il y a chez lui un processus d'attraction. Il devient conscient que son aventure artistique passe par l'abandon de la figure et il va éliminer peu à peu les traces du tangible observable. Alors sur la toile apparaissent des gestes primitifs, vous voyez, des taches informes, des vides spatiaux, tout en gardant une palette aux couleurs sourdes, terreuses et la même puissance expressive qu'il canalisait auparavant à travers les expressions humaines et les regards. Le peintre exprime alors son inquiétude existentielle par des projections délibérées dans l'espace, des bribes organiques ou minérales coulées au sein d'armatures résolument non figuratives. Et il commence à exposer ses tableaux non figuratifs dans une grande galerie barcelonaise qui s'appelle Las Galerías Laietanes, en 1955, puis à Madrid, à la galerie Clan, et en 1956, où exposer donc justement les grands représentants de l'avant-garde péninsulaire, hein, Benjamín Palencia, César Manrique, Chillida, etc. Alors la réception critique de cette nouvelle aventure picturale de Laurent fut extraordinaire, aussi bien à Barcelone qu'à Madrid. Toute cette époque féconde d'expériences plastiques avec la calligraphie gestuelle, l'incorporation d'objets et de matériaux, ne laissa pas indifférent Jiménez Balaguer, étant donné que dans les années 56-57, il commença à incorporer pour la première fois des matériaux et des objets sur un support pictural. Ainsi, dans ses premières œuvres de caractère matérique, Jiménez Balaguer commença à incorporer du papier, de verre, pour former des rugosités, ce que vous voyez maintenant, des textures, et accentuer la nouvelle gestualité incisive et calligraphique. En 1957-58,
Laurent décide de quitter Barcelone et s'installe à Paris avec donc sa femme, Mary, parce qu'il se sent limité à la fois par l'atmosphère de la dictature franquiste et une culture catalane qu'il considère trop refermée sur elle-même locale. Alors il était très catalan, il défendait la culture catalane, mais un jour dans une réunion, il a dit « mais on devrait s'intéresser à Nietzsche, moi j'ai lu Nietzsche, c'est extraordinaire ». Puis les Catalans lui ont dit « oui, mais Nietzsche n'est pas catalan ». Alors là, on avait vraiment le localisme, comme si les Ariégeois disaient « non, mais vous êtes de l'Aude, vous ne m'intéressez pas ». Et donc ça l'a beaucoup marqué, hein, et ça l'a un peu déçu, évidemment, de cette culture catalane, qui était une caricature, parce qu'il y avait d'autres groupes, évidemment, qui les Catalans, évidemment, tous les Catalans ne sont pas comme ça, hein. Il y avait des Catalans qui savaient très bien que la culture est mondiale ou ne sera pas. Et quand il arrive à Paris, alors qu'il est vraiment au zénith de sa carrière, il est victime d'une escroquerie de la galerie, d'une galerie qui a disparu, qui s'appelle De Chaudin, qui devait faire sa promotion. Et donc cette galerie fait faillite, ferme, et en plus, il se retrouve avec, en portant son œuvre. Il se retrouve sans œuvre et sans argent. 120 tableaux. 120 tableaux. C'est énorme à l'époque. Alors, perdant ainsi toute la production des années antérieures. Je crois qu'il y a un dégoût du monde du marchand de sa part qui fait qu'il va s'orienter vers autre chose. Et de fait, Jiménez Balaguer, quand vous regardez dans les catalogues, les expositions, vous verrez qu'il y a un trou, il y a quelques expositions, mais très peu. Entre 60 et 79, ça veut dire pendant presque 20 ans, il y a très très peu d'expos. Et en fait, il a survécu grâce à ses collaborations avec des architectes et des commandes publiques, dont la plus connue, je vous la montrerai tout à l'heure, est celle des 8 muraux pour le centre hospitalier de Creil, qui est dans l'Oise, qui est au nord de Paris. Tout ceci ne l'empêcha pas de peindre, et de réaliser une des séries les plus fécondes de sa carrière entre 58 et 80, qui se caractérise par l'incorporation dans ses toiles peintes à l'acrylique de sable, tu peux passer à la suivante, de bois, de clous, de lambeaux de tissu. Alors, il va évoluer très rapidement, il travaille comme beaucoup de peintres par série. Il arrive à un moment donné, il a fini une série, et puis il se lance dans une autre aventure. 1979-80, il commence à incorporer des cordelettes, ce qu'il appelle des ficelles, commence à apparaître dans ses toiles, vous voyez, à côté du bois. Alors, c'est toujours en série, parallèle comme ça. Donc, dans des compositions qui se détachent en couleurs claires, bon, ici, c'est pas le cas, sur un fond noir, qui ont un étrange aspect spirituel spectral. À compter de 1980, l'artiste opère un changement technique et matériel. Ses œuvres se construisent donc à partir de grilles de fin cordage. Vous voyez, tout ça, c'est des cordages collés sur la toile. Semblable à la terre féconde, labourée, Jiménez Balaguer enchâsse sa toile et transmue en poésie pure les reliques d'une quotidienneté banale. Il se forge un outil et en rompant avec la platitude du support, c'est-à-dire, vous savez, ce qui vient de la Renaissance, la perspective, donc il rompt avec cette platitude du support, il opère un passage entre donc, la perspective illusionniste de la Renaissance et donc, le relief qui apparaît vraiment dans son œuvre, autrement dit, l'amorce d'un volume identifiant la sculpture. Un passage indissociable d'une énergie génératrice de son travail. Cette nécessité latente de masse, de volume, se double de celle d'un nouvel espace. Les tensions, les lignes de force qui font de mouvement font de la toile un champ d'action autant physique que mental. L'artiste cristalliserait les mouvements intérieurs, serait le théâtre d'événements latents, matériels, comme les déchirures, les cicatrices, les plaies qui bouleversent un tissage régulier, qui, instinctivement, ont une répercussion au niveau de la sensibilité du spectateur. Voilà ce qu'il a écrit, ce qu'il a lui-même écrit sur son activité créatrice. Alors ça, c'est aussi très intéressant, parce que Jiménez Balaguer a écrit des textes très courts, mais vraiment très clairs sur ce qu'il faisait. Et sur ces tableaux de linéarité comme ça, il a écrit « Ce que je grave dans cette matière, c'est le cri d'une vie, le cri qui fait que tout n'est plus que la mémoire empilée, et que tout cela ne prend vie que grâce à la beauté, à la couleur qui explose. Les rouges éclatent, les bleus vous plongent dans des au-delà infinis. » Pietas.
De ces tableaux, vous verrez, hein, vous pouvez les voir. Donc en fait, les titres qu'il donne à ces toiles ne sont jamais ni descriptifs ni explicatifs. À travers la suggestion, on y trouve des références à la mémoire, à la vie, à l'esprit, au temps, ou l'univers et la lumière. Il donne souvent le cadre sensoriel, intuitif, de ce monde intérieur qui souffre de la matérialité des œuvres. C'est l'historique de la famille. Et ton père aussi. L'artiste commence à utiliser la corde qui, à partir de 1994, deviendra le principal support matérique de son travail. La corde fonctionne d'abord comme une donnée plastique, mais elle peut être considérée aussi comme le symbole entre l'esprit et la matière. Tu peux passer la suivante. Hein. Entre l'esprit et la matière, un lien plastique, un religare, comme l'indique l'origine étymologique du mot religion. Dans son œuvre, les textures et les gestes prennent un sens immédiat et montrent une étroite connexion entre la forme et le pathos, les sentiments du peintre. Ce sont des formes qui identifient le sentiment avec le mouvement gestuel exprimé, d'authentiques gestes de l'esprit. L'artiste est attiré par la beauté du tragique, hein, vous avez vu, qui est transmis à l'œuvre au moyen de procédés artistiques comme la fracture, la déchirure, la corrosion, la dissolution. Comme chez le créateur primitif, chez Jiménez Balaguer éclate la même fièvre afin de marquer sa trace, son empreinte. La spiritualité n'est pas canalisée par des concepts, mais bien, comme nous l'a montré sa génération, avec Tapies et Millares, par la matière, après l'avoir soumise à un rituel profond dans son dialogue attentif avec l'intériorité de l'individu. Mais comme il l'a dit lui-même, je reste peintre car la couleur domine en moi. De plus, j'utilise la surface comme appui, tandis que le sculpteur crée une masse directement de ses mains. Ce qui est évident, c'est que l'œuvre en expansion, dynamique, de Jiménez Balaguer a brisé les limites du cadre traditionnel rectangulaire du tableau et qu'elle s'affirme comme une autre réalité. Un champ de bataille où se livre la lutte éternelle entre la vie et la mort. Lutte qui apparaît sous de multiples tensions, un espace matériau souvent éventré, torturé, tordu, mais... Et c'est là un paradoxe génial de l'œuvre de Jiménez Balaguer, une admirable beauté conférée par une matière couleur d'une intensité, d'une richesse unique, et qui parfois, par sa profondeur temporelle, semble faire ressurgir l'œuvre de temps immémoriaux, ou d'autres fois encore, le projette dans le cosmos. La vraie vie, celle du monde, la nôtre, ne peut être exprimée par le langage courant, convenu, tant celui des mots que celui des images. Jiménez Balaguer, comme tout créateur véritable, attaque les archétypes de l'art, le langage qui ne veut plus rien dire, qui a perdu sa force primitive. Tout comme Mallarmé, qui voulait assassiner le langage, le vrai peintre doit assassiner la peinture pour s'exprimer pleinement, librement, nous livrer son univers comme lorsque nous profanons ce que nous révérons dans la pulsion érotique la plus authentique. Mais, et c'est là le dernier paradoxe génial de Jiménez Balaguer,
Cette violence présente ou latente dans son œuvre est toujours maîtrisée, presque toujours canalisée dans des compositions rythmiques, souvent symétriques, axiales, centrées, et en cela, il rejoint les grands créateurs catalans de tous les temps, où l'on reconnaît toujours le caractère qui définit le mieux le peuple catalan, cette antithèse créatrice et vitale, qu'on dit en catalan « seny i rauxa » et qu'on pourrait traduire par « raison et folie ». Je vous remercie.